Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Vous êtes nombreux à me dire combien vous vous sentez démunis face à un échec, que ce soit le premier, que l'on arrive parfois à relativiser, le deuxième, le troisième, le quatrième ou plus. Vous êtes nombreux aussi à me dire que vous avez l'impression de n'avoir que très peu de prise sur vos parcours. Vous êtes partie prenante tant que des choix sont à faire, puis vous êtes pris en charge et donc déchargé de la conception. C'est étonnant quand on y pense, c'est justement l'acte dont on devrait être le plus acteur. C'est perturbant et c'est déstabilisant. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est que vous pouvez garder la maîtrise, principalement celle de votre corps et de votre esprit, et c'est tellement important d'être dans ces positions-là. Morgane et Sarah l'ont bien compris. Elles le savent, elles, parce qu'elles sont informées, et ouvertes à nos rituels de doula, à nos gris-gris de sorcières, à ces petits riens qui font un grand tout. Et je vous promets que cette spiritualité a des fondements très ancrés, parce que je sais que parfois, nous avons du mal à entrer dedans. On peut préparer son corps, et pas seulement de façon médicale, à la conception et durant toute la grossesse, pour vivre l'enfantement que l'on souhaite. Morgane et Sarah, vous les connaissez sûrement. Ce sont les HAT-MRSS et les HAT-MRSM. J'ai suivi leur grossesse et j'étais bien curieuse de connaître les dessous de leur rencontre. Évidemment, on s'est trouvés, on s'est racontés, on a échangé sur nos convictions et je peux vous dire que cette discussion va ouvrir les possibles. Après un parcours de vie chaotique pour Morgane, Paolo et Owen, ce happy end réchauffe les cœurs. PS, même au montage, les larmes me sont montées devant l'émotion de Sarah à l'évocation de sa rencontre avec Owen et Paolo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane, bonjour Sarah. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver à mon micro. On vient d'avoir quelques petites péripéties techniques, mais on s'en est sorti. Donc, on va y arriver à le faire, cet épisode. Vraiment, merci de m'avoir accordé cet entretien avec toutes les deux. Je vous suis depuis un moment sur votre compte Instagram. Donc, je pense que vous êtes quand même relativement connue. Donc, vous êtes les... Alors, MRS. Donc, Mrs. je suppose S et Mrs. M. M, c'est Morgane ça. Morgane et Sarah. Voilà. Aujourd'hui, donc, on est là pour que vous nous racontiez votre histoire, votre parcours PMA évidemment, et surtout l'histoire de ce bébé trait d'union. Donc moi, je les appelle comme ça les bébés de famille recomposés qui font le lien entre les deux familles. Voilà. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez, même si je vous ai un peu présenté, mais vous pouvez vous présenter, me raconter comment est composée votre famille? Alors, moi c'est Morgane, ma femme c'est Sarah, et j'ai deux enfants. En fait, d'une précédente union, donc Owen qui aura 12 ans demain et Paolo qui a eu 9 ans en février, donc que j'élève toute seule. Et puis en 2019, Sarah nous a rejoints et voilà, depuis on a cette vie à 4 et les enfants l'appellent maman, voilà, elle a pris une place énorme auprès de nous, parce qu'on était tout le temps à trois, tout à faire à trois. Moi, j'avais mon boulot et je jonglais entre le boulot, les enfants, le boulot. Et voilà, Sarah est arrivée en 2019, pour notre plus grand bonheur. Est-ce que tu peux me raconter, ou vous pouvez me raconter, parce que Sarah est derrière toi, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre? En fait, tout ça, on s'est simplement rencontrés sur un site de rencontres spécialement dédié aux rencontres entre femmes. Et puis on a pris le temps de beaucoup parler. Et puis à la première rencontre, on s'est plus lâché en fait. Elle a rapidement quitté sa vie dans le département d'à côté. Et puis elle nous a rejoint très très rapidement à la maison. Ça s'est fait en quelques semaines, quoi. D'accord. Et tes deux enfants ont deux mamans aussi, ou ils ont un papa et une maman? Ils ont un papa, en fait. Ils ont un papa et une maman, évidemment qu'ils ont une maman, mais... ils ont un papa qui vit à l'étranger, qui ne les prend pas et qui ne s'en occupe pas. Et d'où le fait que Sarah, justement, a été ce repère qui leur manquait un petit peu. Voilà. Elle a été très très bien accueillie par tes enfants. Ah, complètement.
Complètement, complètement. C'était la pièce manquante un peu du puzzle, là, j'ai envie de dire. Tu leur as présenté tout de suite, Sarah, à tes enfants? Non, on y a été vraiment crescendo. Sarah, bah forcément, quand elle est venue à la maison, les enfants l'ont vue. Mais ça a été d'abord, voilà, en tant qu'amie, pour voir vraiment comment bah Sarah a été avec eux, parce que c'était une première aussi pour Sarah, d'avoir quelqu'un qui a des enfants. Donc, il a fallu. Elle s'en va, elle pleure. Mais dis donc, pourquoi? Pourtant, c'est moi qui suis sous hormones là, hein, mais. Ouais, elle se remémore la rencontre. Ouais, c'était des grands moments. Et puis, quand même, moi, c'était. J'ai beaucoup de mal à faire confiance dans mes relations d'avant. Et c'est vrai que de faire venir quelqu'un comme ça chez moi, ça me ressemble pas des masses. Donc voilà, ça a été un pas énorme pour toutes les deux de notre côté. Donc ça s'est fait vraiment crescendo. Puis les enfants, voilà, j'avais besoin de voir comment eux se sentaient aussi. Bah voilà quoi, comme toute maman qui essaie de refaire sa vie, on a ce besoin de les sentir bien eux aussi avec cette personne. Donc ça s'est fait gentiment comme ça, quoi. Ouais. En 2019, ils avaient donc, alors tu m'as dit 12, donc ça fait 10 et 7, c'est ça? C'est ça, voilà. Et à ce moment-là, tu leur avais déjà parlé de ton attirance pour les femmes, enfin peut-être pas dans ces mots-là, évidemment, mais dans le fait que tu pourrais refaire ta vie avec une femme ou pas du tout? Est-ce que c'était quelque chose sur lequel tu as avancé avec eux? Alors, j'en ai pas du tout parlé dans le sens où il y a toujours eu cette ouverture d'esprit de mon côté. Pourquoi? Parce que ben j'ai deux sœurs, la plus grande de mes sœurs est aussi avec une femme, elles ont deux enfants, donc je veux que ça reste un schéma de famille Ouais. classique, quoi, qu'il faut pas non plus dire allez venez, il faut qu'on parle, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose, voilà, on voit pas ça partout, alors préparez-vous, voilà, j'avais envie vraiment de lancer le sujet comme quelque chose de normal en fait, Ouais, voilà. complètement. Voilà, Sarah, vous la Complètement. trouvez comment? Vous l'aimez bien? Voilà, par exemple, ils regardent les enfants à cette époque-là, ils regardaient beaucoup l'émission qui passe sur M6, Les Mamans. Oui. Et tu sais, il y a une famille où il y a deux mamans, quoi. Et à un moment, je me rappelle de cette anecdote où je parle à Paolo, je dis, bah, c'est quelle famille que tu préfères et tout, ben. Il me dit ah bah c'est les là où il y a deux mamans et tout, je les trouve trop cool et tout. Et puis je dis eh, ça te ferait quoi du coup toi d'avoir deux mamans? Ah bah ça serait trop cool et tout. Et en fait ça s'est fait vraiment voilà dans le Naturellement. truc voilà. Je veux que ça soit quelque chose de normal et comme il peut y avoir deux papas, comme il peut y avoir qu'une maman ou comme il peut y avoir qu'un papa, enfin justement, ne pas cloisonner le truc comme quelque chose de borderline limite. Ouais, Voilà. mais bon, en fait, du coup, ils étaient déjà sensibilisés par le fait que d'autres familles, d'autres types de familles pouvaient exister, puisque c'était déjà le cas chez vous, et du coup, ça leur ouvre l'esprit vraiment de façon très importante. C'est ça, c'est ça. Et c'est super important. Et aujourd'hui, voilà quoi. C'était quand? Je me rappelle plus, mais on était par exemple dans un parc à Nice et puis. D'un coup, on entend Paolo qui demande à quelqu'un de la famille de Sarah, elles sont où mes mères? Comme ça. Et vraiment, à l'école, il en parle ouvertement, avec ses camarades, il en parle ouvertement. Et justement, le fait que pour lui, ce soit quelque chose de normal, en fait, ça coupe le jugement, en fait. Et Ouais. y a aucun retour négatif de qui que ce soit par rapport à ça. Et c'est Oui, c'est super complètement important pour nous. assumé. Voilà. Du coup, je vais aborder un sujet que j'aurais abordé normalement en fin d'épisode, mais forcément la question m'intrigue tout de suite. Est-ce que Oui. vous avez prévu, est-ce que Sarah a prévu potentiellement d'adopter, alors en adoption simple, les enfants ou pas? Alors, c'est pas possible juridiquement parce que ils ont un père. D'accord. Ah oui, Malgré, vivant. T'as raison. voilà, il y a un père qui les a reconnus.
Alors, certes, ça fait, allez quoi, ça fait plus d'un an et demi qu'il les a pas pris parce qu'il y a un jugement, il doit les prendre la moitié des vacances scolaires. Voilà, à part payer la pension alimentaire, j'ai envie de te dire, il se passe pas grand-chose. Là, ça fait 3 mois qu'il les a pas appelés. Le dernier appel, c'était pour l'anniversaire de Paolo en février, il a duré 3 minutes. Enfin, c'est Ouais. un peu. Puis là, on est en plus en ce moment, on est en procédure. Il a fait un appel pour payer moins de pension alimentaire. Enfin, il y a un détachement complet et du coup, un attachement complet avec Sarah Avec derrière. Sarah, voilà, c'est ça. Voilà. Comme tu le disais, c'est le repère de tes... Enfin, c'est le repère qui leur manquait. Donc forcément, ils s'y sont accrochés tout de suite. Voilà. Oui, voilà. Je me suis séparée de leur papa en 2014. D'accord, oui, ça faisait un moment que tu étais séparée. Voilà. Ils étaient très petits et. Voilà, bah évidemment, j'ai essayé de refaire ma vie derrière, mais ça n'a pas marché parce que ben j'avais toujours du mal à accrocher, bizarrement, hein. Et je laissais pas de place dans l'éducation à quelqu'un d'autre. Voilà, peu D'accord. importe si j'ai essayé de refaire ma vie, il y avait, voilà quoi. C'est mes enfants, ce sont les miens. Tu t'en occupes pas, je me débrouille. Et voilà. Et Sarah, c'est vraiment la première personne. Qui participent vraiment à leur éducation, en fait, vraiment D'accord. sérieusement, et qui s'investit, voilà. C'est aussi la première personne à qui tu as laissé la porte ouverte pour le faire, peut-être. T'es en Exactement. confiance? C'est ça. Ça a été une évidence pour toi? Ça a été instantané? Bah, complètement. Surtout que bah, on est passé par une application et j'ai parlé qu'à une fille, j'ai rencontré bah, qu'une fille, et puis bah, je me suis mariée à elle, quoi. Ça a été rapide, enfin, ça a été très simple. Voilà. D'accord. Sarah, en fait, je voulais te demander, toi, comment tu avais vécu justement cette rencontre avec Morgane et avec les enfants, du coup? J'ai l'impression que ça t'a touché tout à l'heure quand d'en reparler. Bah oui, c'est encore le cas, donc du coup, c'est pour ça que je reste un peu à l'écart, mais je suis très émue, quoi. Mais ouais, je peux pas parler. Elle peut pas Pas parler. de souci. Mais en tout cas, c'est hyper touchant de vous entendre, ben voilà, de voir que pour vous, ça a été une évidence et la beauté de cette rencontre, c'est vraiment très touchant. On est allé à notre rythme, en fait. On ne s'est pas Ouais, posé mais c'est très de bien. questions. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, vous vous êtes mariés quand? Le 1er juillet 2020. Oula, vous avez en plein Covid. C'est ça. Non, on est passé entre les mailles du filet. On a pu organiser ce qu'on voulait. Et, on est super contents C'était de la l'avoir date initiale prévue. fait. Ben, on n'avait pas de date. Voilà, on est allé à la mairie. On a demandé. Pourquoi le 1er juillet, je sais plus. Mais voilà, on s'était dit, bah, le 1er juillet, c'est bien. Et je crois que le fait que ça tombe, c'est en milieu de semaine en plus, je crois. Ouais, on avait demandé en milieu de semaine pour arranger certaines personnes. Et du coup, bah oui, bah, la mairie avait toutes les dispos possibles en plus, donc c'était Ah, royal. c'est marrant ça. D'accord. Et parce que, bon, si on calcule bien, ça fait un an, un peu moins d'un an, Ouais. entre votre rencontre et votre mariage. Donc, ça a été relativement vite, sans aucun jugement de ma part, Oui. évidemment. Est-ce que vous voulez me raconter pourquoi vous êtes mariés si vite? Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en place pour ce mariage? Est-ce que c'était déjà dans le projet de bébé? Est-ce que vous aviez parlé bébé ensemble? Enfin, bon, voilà, j'ai plein de questions. Je vous Ben, écoute. en fait, dès qu'on s'est rencontrés, en fait, on n'était pas dans l'optique d'avoir une aventure. Enfin, moi, j'avais pas le temps, pas l'envie de. Je voulais, voilà. Si je dois me poser avec quelqu'un, c'est pour quelque chose de sérieux. J'ai Pour construire. plus envie de me prendre la tête et Sarah, c'était pareil. Du coup, on a de suite, en fait, dès nos premières conversations, c'était voilà, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Sarah, c'était pareil. On a vraiment tout posé directement pour être sûr de ne pas perdre notre temps l'une et l'autre. Donc, on a, voilà, évidemment, Sarah a eu ses premières questions, c'était par rapport aux enfants parce que ben, j'en avais déjà deux, donc ça pouvait être possible que je n'en veuille pas d'autres. Donc moi je lui ai dit c'est quelque chose d'envisageable, mais je veux pas me retrouver seule avec 3 enfants. C'était ma condition, c'est que mon couple soit en béton armé, j'ai envie de dire, et de pas prendre de risques en fait. D'où la sécurisation par le mariage. Voilà. Donc on a de suite bah, parlé enfants aussi. Moi ça me dérangeait pas d'emporter. Bah parce que je suis déjà passée par là bah, 2 fois et que bah, j'avais pu repenser à cette éventualité-là.
de reporter un enfant. Et ben voilà, quand on est, je pense, avec la bonne personne, ben ce qu'on se disait avant, ça se remet peut-être en question par moment. Et du coup, on a de suite parlé de, ben, comme tout couple de femmes, comment on va faire, quelle technique on va faire, où est-ce qu'on va faire. Ben, comme tout couple de femmes aussi, il faut poser les choses financièrement assez tôt, parce que voilà quoi, on avait quand même 29 ans déjà à l'époque, et bah, comme on le sait tous, bah, voilà quoi, à partir de 32, 33 ans, on sait que ben bah, les chances commencent un petit peu à diminuer, que ça marche rapidement. Donc moi, je si je devais en poser un, c'était emporter un, pardon, ça serait pas trop tard. Donc c'est pour ça que le sujet a vite été abordé et par la suite vite mis en place aussi, parce que ben forcément ça prend du temps, il y a beaucoup d'examens à faire, il faut choisir une clinique parce que nous on voulait pas faire ça en artisanal. Et du coup voilà, on a début 2020, on a commencé à avoir un contact avec une clinique qui nous a rapidement envoyé les examens à faire. Donc on a profité de ce premier confinement pour faire tous ces examens tranquillement sans se prendre la tête. Et mine de rien, ça a mis du temps du coup, parce qu'il y a certaines choses à faire à certains moments du cycle. Donc des fois on loupait le coche, du coup ça reculait d'un mois. Donc voilà, entre, j'ai envie de dire, entre avril. Oui, on a commencé à faire nos examens en avril pour envoyer notre dossier en juillet, quoi. Donc finalement, pile au moment du mariage. Voilà, donc c'était le dernier document qu'il nous fallait, c'était le certificat de mariage. C'était demandé par votre clinique. Voilà, concernant la FIVROPA, on est sur un mariage obligatoire. Bon, il n'y a pas forcément D'accord. de délai, mais il faut être marié, oui. D'accord. Alors du coup, attends, on va revenir un petit peu en arrière. Du coup, Ouais. quel choix vous avez fait? Donc finalement, quelle clinique vous avez choisi? Donc vous êtes parti sur la FIVROPA, ce que je trouve super, mais sur lequel on n'est pas encore assez informé. Comment vous avez entendu parler de ça, de la FIVROPA? Ben c'est en regardant sur Internet. En regardant sur Internet, on a vu que cette méthode-là existait. Et on trouvait ça génial. Enfin, après, ça reste là vraiment la seule méthode en fait qui permette aux deux mamans de participer vraiment activement à la création de ce petit bébé. Donc ça, c'était logique qu'on aille en priorité sur cette méthode-là en fait. On ne s'est pas posé d'autres questions en fait. C'était ça D'accord. en priorité. Et pour le choix de la clinique, j'ai regardé bêtement sur Google la première clinique proche de chez nous, dans le but de faire l'aller-retour en voiture. Et comme on est déjà dans le sud-est, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur Girex à Gérone. D'accord, ok. Ok, oui, c'est vrai que c'était la plus proche finalement. C'est Assez ça. long quand même, mais assez proche, C'est assez ça, on proche. a, je crois, 4 h 30 de route, quelque chose comme ça. Donc, ça se fait largement, quoi. Et on regrette pas parce que c'est une clinique vraiment top. Et le trajet, franchement, ça se fait sans souci, quoi. D'accord. Et oui, c'est vrai que Girex, on n'en avait pas encore parlé. Et je crois avoir compris pourquoi vous avez choisi que ce serait toi qui portais. C'était essentiellement par rapport à ton âge, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, vous avez le même âge. Oui, voilà, on a le même âge, mais on n'a pas le même ressenti par rapport à la maternité. C'est-à-dire que moi, ben, j'ai eu Owen et Paolo très jeunes, à 19 et 21 ans. Et je me suis dit, ouh là là, ça fait déjà 10 ans, si je dois en reporter un, c'est maintenant, sinon j'ai peur de pas me sentir, quoi. Et Ouais. Sarah, à l'inversement, elle disait, ben, si moi je dois en porter un, ce sera ben, aux alentours de 35 ans vers là, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'est fait naturellement comme ça. D'accord, ok. Et donc, alors du coup, process Agirex, donc qui propose la FIVROPA. Donc c'est vrai que la FIVROPA, tu peux pas la pratiquer partout, déjà. Enfin, C'est ça. il y a des pays et des cliniques qui ne le font pas, ne le proposent pas. Ouais. Agirex, vous avez été accueilli comment? Comment ça s'est passé? Parce que le process pour une FIVROPA, il est différent. Bah, en fait, c'est tout simple. Au début, j'ai envoyé un mail via leur site pour avoir, voilà, une documentation, avoir un premier contact, une présentation de la clinique. En fait, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est, voilà, on laisse nos coordonnées, puis c'est eux qui nous rappellent. Ils m'ont rappelé assez rapidement. Je suis tombée sur une dame super gentille. J'ai plus son prénom, mais voilà, elle m'a présenté la clinique, elle m'a présenté les différentes méthodes. En fait, tout ce qu'on s'était dit par téléphone, elle me l'a envoyé par mail.
pour qu'on ait voilà bien tout décrit. Donc avec Sarah, on a pris le temps, on a tout imprimé, on a tout lu. Voilà, pour nous c'était, enfin on savait déjà vers quelle méthode aller, donc ça a été vraiment, Fluide. on s'est laissé un peu guider par cette clinique parce qu'en plus les gens là-bas ils sont tous top, vraiment vraiment tous ceux qu'on a rencontrés. Vraiment, vraiment top à l'écoute. Dès qu'il y a un souci, ils nous rappellent tout de suite. Enfin, il y a cette disponibilité que toutes les cliniques n'ont pas et franchement, on a apprécié. Ouais, J-Rex, moi j'avais suivi votre parcours effectivement initialement, mais J-Rex, c'est vrai que j'ai toujours eu de bons échos, j'avoue. Ouais, Après, ouais, bon, il y a toujours des moments où ça passe pas avec une personne ou avec une autre, mais bon, voilà, ouais. Oui. ça arrive. Et alors ensuite, vous avez eu votre premier rendez-vous, vous avez donc fait tous vos examens, tout rempli les documents et les process pendant le premier confinement et donc jusqu'au mois de juillet. Vous êtes Voilà. lancé quand? Vous avez fait quand le premier essai? Alors, Sarah a eu sa ponction le 4 septembre. D'accord. Enfin, non, le 2 septembre. Et il y a eu un premier transfert de 2J5, du coup, 5 jours après. Donc du coup, ils vous ont transféré directement sur embryon frais. Voilà, il y a eu un transfert d'embryon frais le 7 septembre qui a fini en grossesse biochimique. D'accord, ok. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une grossesse biochimique? Une grossesse biochimique, c'est en fait, il y a eu un début d'accroche, donc un test urinaire positif, et mais la prise de sang, le taux était vraiment bas par rapport à ce que ça aurait dû être. Donc en fait, il y a eu un début d'accroche, mais ça s'est terminé en fausse couche. D'accord, ok. Pas trop dur la redescente à ce moment-là? Très, très, Ouais, très, tu très, m'étonnes. très dur dans le sens où moi, je savais que la prise de sang, en fait, on avait une prise de sang qui était positive. Donc Sarah était super heureuse de son côté, mais moi je savais que le taux n'était pas assez élevé par rapport D'accord. à la date du transfert. Donc il y a eu un moment de flottement pendant ce moment-là où voilà, la clinique de son côté il me disait de continuer le traitement, etc. Qu'il fallait refaire d'autres prises de sang, mais je sentais que moi c'était mort de mon côté. Donc, il y a eu ce moment où voilà, Sarah, elle essayait de me raccrocher à quelque chose d'hyper positif, mais quand on sait à l'intérieur que ça n'a pas marché, voilà, ça a duré quelques jours où au final on est allé faire une échographie. À l'échographie, ça a été posé. Ouais, mais ça a été D'accord. un moment très, très, très difficile parce que je m'étais dit, voilà, c'est positif, c'est une fille, on n'a aucun souci d'infertilité, donc ça, ce positif ne peut pas se transformer en négatif, quoi. Et ben oui, si, ça peut arriver, et ça nous a fait Ouais, vraiment tomber de haut, quoi. je comprends complètement. C'est toujours la difficulté. En plus de ça, enfin, on sait qu'on passe par des méthodes qui sont très 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 contrôlées, donc on a du mal à se dire que il y a quand même une part d'échec qui est possible, C'est dans la ça, mesure où on c'est cible ça. tout pour que ça fonctionne. Et je pense que c'est notre, enfin, je parle pour moi, mais de mon côté, ça a été mon tort de me dire que ça ne peut pas ne pas marcher. En fait, j'avais Ouais, pas je comprends. pensé à cette éventualité-là, et du coup, la chute a été assez rude, assez assez rude. Ouais, je comprends. Et vous arrivez à vous relancer rapidement ou vous prenez un peu de temps? Ben, je sais plus exactement dans comment ça s'est fait, mais je sais que Sarah a eu un peu plus de mal à se relancer. Donc là, on a rebasculé. C'est moi qui l'ai un peu poussée dans le positif parce qu'elle, elle a eu ce moment de creux et de deuil à faire quelque part après moi. Moi, je le vivais déjà depuis une ou deux semaines avant. Elle est tombée dans le creux un peu après. Donc là, on a basculé les rôles. C'est moi qui l'ai un petit peu relevée à ce moment-là. Et on aurait pu repartir tout de suite, mais j'ai voulu garder un cycle en fait pour faire bah, tout ce que j'avais pas eu le temps de faire et ce que je me suis reproché de pas avoir fait, c'est-à-dire acheter des bracelets, tu sais, pierre de lune, aller voir une ostéopathe, faire de la médecine chinoise, de l'acupuncture. Donc je me suis dit voilà, je vais garder un cycle pour prendre soin de moi et vraiment préparer mon corps avec toutes les alternatives qui existent. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait Et ça ça. t'a fait du bien? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces alternatives? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle absolument jamais, ou très Ouais, ben peu. ça a été hyper bénéfique. On en a fait d'ailleurs un post parce que j'ai galéré à trouver toutes les infos et je trouve ça
pas normal de devoir galérer à trouver ces infos. Donc, on a fait un post regroupant tout ce qu'on a mis en place, donc que ce soit par des boissons, par exemple le jus de raisin blanc. Oui, ouais, tout à fait. Prendre du jus de raisin blanc, à garder bien ses pieds au chaud, surtout qu'on a fait ça dans la période froide. Donc, vraiment garder les pieds chauds, comme on dit, pieds chauds, utérus chaud. Et faire de l'acupuncture pour venir renforcer tout le système reproductif, réchauffer encore l'utérus. Il a beaucoup appuyé par rapport à ça aussi. Et puis voilà quoi, se réaligner totalement avec soi-même, utiliser des pierres, ça fait aussi du bien à l'esprit. Voilà, il y a eu deux séances d'ostéo aussi, dont une juste avant le transfert. Ça a duré un cycle. On a fait tout le cycle, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas au moins deux rendez-vous pour préparer le corps au prochain transfert. Le corps et l'esprit, hein, tu le disais bien, et c'est vrai qu'au moins tu as l'impression d'être active, je pense, dans cette. C'est vrai que la difficulté dans nos parcours, c'est quand on peut pas dire qu'on subit parce que le mot est hyper moche, mais en fait, on s'occupe de nous, on nous gère, on suit nous ce qu'il faut faire, mais à aucun moment on a vraiment cette impression d'être actif nous-mêmes. C'est ça, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a un manque d'accompagnement psychique énorme. Énorme. Ouais, complètement. Et particulièrement dans nos familles, puisque on a quand même besoin d'un accompagnement qui est inclusif, on va dire. Et c'est pas ça. Forcément. Enfin, oui. Beaucoup de gens qui savent, qui connaissent même pas l'existence de nos couples, quoi. Bon. C'est ça. Enfin, nos couples aussi, mais nos familles, c'est plus difficile. Et ouais. Donc du coup, vous finissez ce cycle avec tout ce que tu mets en place, tout ce que vous mettez en place et qui, je pense, vous a aidé. Vous êtes lancé sur le cycle suivant, donc si je calcule bien, ça fait novembre. Voilà, ça aussi c'était la grande question. Parce qu'en tout on a eu 5 J5. Donc il y en a deux c'est bon quand même. Il y en a deux qui ont été transférés, ça n'a pas tenu. Et là, moi j'ai voulu en mettre 4. D'accord. Voilà. Pour pouvoir te laisser plus de chance, plus de cycles en fait. Ben, je sais pas, avec Sarah, en fait, on a rencontré une énergéticienne avec qui on s'est carrément lié d'amitié, quoi. C'était pas prévu qu'on la rencontre, elle est tombée sur notre chemin comme ça. Et je lui ai expliqué que j'avais peut-être ressenti... Est-ce que le fait d'en mettre qu'un, ou est-ce que le fait d'en mettre deux, mon corps a pas compris et a rejeté la grossesse, en fait, quelque part, parce qu'il y en a deux. Tu vois, et du coup, je me suis dit, j'ai envie de tenter d'en mettre qu'un. Donc, on en a parlé avec Sarah aussi. Et on était d'accord toutes les deux pour faire un transfert unique, du coup, le 4 novembre. D'accord. Voilà. Et donc, vous mettez tout en place pour faire ce transfert? Voilà, on y est allé. On n'était pas du tout dans la même mentalité que lors du premier transfert. On était beaucoup moins stressés. On est resté une nuit, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est resté une nuit dans un hôtel juste à côté. Et puis, on y est allé en mode, on verra. En fait, on était vraiment en mode, je sais pas, pas stressé, pas... On était bien. Puis d'accord. On connaissait les lieux, etc. Donc, le transfert s'est super bien passé. Et puis, on est reparti de suite après. On a repris la route de suite après. Et alors, ce transfert, il a fonctionné ? Il a fonctionné. Évidemment, j'ai fait un test très très tôt, mais la barre était déjà... ça c'est un truc, en plus je me l'étais juré, hein. On n'achète pas de test, on fait pas de test, on fait rien du tout, évidemment il y en a un qui traînait au fond d'un tiroir, je l'ai retrouvé. Évidemment, on les retrouve toujours dans ces moments-là. C'est ça, puis en plus en voulant tellement faire vite, je savais que Sarah était pas d'accord et... En fait, j'ai fait le test, je l'ai posé à l'envers et je suis allée dans la chambre en lui disant j'ai fait un test, en pleurant, en disant... Et elle me dit, alors c'est quoi le résultat? Je dis, je sais pas, j'ose pas regarder. Du coup, je suis passée pour une grosse cruche, quoi, et elle me dit, tant pis, je vais le prendre, je vais le mettre à la poubelle. Je dis, non, maintenant que je l'ai fait, il faut regarder. Et je regarde et puis je dis, il est négatif. Et puis, je retourne me coucher dégoûtée. Mais en fait, regardant la boîte,
En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait une croix. C'était un test Clearblue. Je m'attendais à ce qu'il y ait une croix. Et en fait, j'ai juste vu une barre, mais une barre verticale. Et à un moment, je réfléchissais en me recouchant. Puis je dis, mais normalement, quand c'est négatif, c'est une barre horizontale, pas une barre verticale. Et là, je prends la boîte. Et en fait, je me rends compte que le négatif que je pensais depuis 2 heures, là, en fait, c'était un positif. Du coup, je retourne voir Sarah, qui était trop énervée contre moi, en lui disant « Je me suis trompée, en fait, le test, il est positif. » Bah, du coup, elle était un peu moins fâchée contre moi. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est quand même fou. Ils peuvent pas avoir... Il n'y a pas une norme sur les tests, en fait. On ne peut pas avoir un truc où c'est clair, sur tous les tests, c'est le même signe positif et signe négatif, quoi. Chacun fait à sa sauce, et évidemment, moi, voilà, quoi. C'était 5 heures du matin, je crois, maximum. En plus, je savais que j'allais à l'encontre de ce que moi-même je m'étais dit et de ce qu'on avait décidé avec Sarah, donc j'étais fâchée contre moi-même. En plus, j'étais je me tape un négatif alors que ça se trouve c'est trop tôt. Et enfin, oh là là, cette matinée, c'est les montagnes russes. Du coup, vous avez filé faire une prise de sang, non ? On a attendu. Pour le coup, on a attendu le jour que la clinique nous a dit pour le faire. Et j'espérais qu'une chose, c'était que... Parce que lors du premier transfert, c'était 7 UI, je me rappellerai toute ma vie, je crois. Du coup, c'était un positif sur le papier du labo, mais je savais que c'était un négatif pour nous. Et en fait, je m'étais dit, mais je donnerais tout pour avoir un taux positif qui laisse pas de doute, en fait. Je me disais, voilà, je veux pas d'un petit taux, je veux quelque chose qui me... Voilà, qu'il n'y ait pas de doute, qu'on vive plus ce moment de flottement, là, comme on a vécu 2 mois avant. Et là, je me rappelle, on a reçu le taux par mail, et je me le suis écrit au rouge à lèvres sur le ventre. Et je suis allée voir Sarah... en levant mon t-shirt, et là elle dit, mais 161, il y a un problème. 161, mais c'est énorme, 161. On en a mis qu'un, je comprends pas. Et du coup, j'ai dit, ben voilà, c'est ça un vrai positif, quoi. Ouais, là, il n'y avait pas de doute. Et bon, évidemment, même sans doute, hein, je pense qu'on le fait toutes d'aller faire des prises de sang tous les 2 jours jusqu'à être au moins à 1000. Donc, c'est ce qu'on a fait, et on les a tous notés, nos taux, là, sur une feuille. Et ça a doublé, voire même ça a triplé toutes les 48 heures. Donc, on se dit, oh là là, mais c'est bon, là, mais c'est bon. À chaque fois, tous les 2 jours, en fait, on revivait le truc, quoi. Ouais, ça a dû vous rassurer. Ça a dû vous rassurer. Ouais, on s'est dit, ben voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et tout ce moment de préparation et tout ça. Ouais, malgré les prises de sang... Enfin, moi, j'avais du mal à réaliser quand même. Je veux dire, c'est hyper abstrait tant que t'as pas un peu de ventre, tant que t'as pas quelques maux de grossesse. C'est hyper abstrait. Tu te rends compte de rien, t'es comme avant, ni plus ni moins. C'est ça. Bon, après, les nozelles sont arrivées rapidement, elles m'ont jamais quitté. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'était bon. Voilà. Et alors, cette grossesse, elle se déroule comment ? Parce que donc là, t'es encore enceinte, on est bien d'accord ? Ah oui, oui, bien comme il faut, ouais. Donc bébé n'est pas encore né. Non. Et alors comment ça se passe pour vous ? Ben, on enchaîne les prises de sang, puis il y a une première écho à 5 SA. 5 SA et 5 jours. Donc là on savait que c'était tôt, qu'il y avait des chances qu'on ne voit pas encore son petit cœur battre, mais voilà, au moins être sûr que la grossesse soit bien placée. Et voilà, on y est allé en se disant, voilà, on verra rien. Et puis, l'écho se passe très bien, 2 mm et un petit cœur qui bat. Donc là, le truc auquel on s'attendait pas du tout. Donc, donc on a vu 2 mm qui clignotaient, quoi, à l'écran. Et on s'est dit, oh là là, on a créé... Voilà, c'est ça. On a créé ça, quoi. Ça a marché. Donc, encore, voilà, bonheur total. Et puis, quelques heures plus tard, je vais aux toilettes et du sang. Beaucoup de sang. Donc, là, on fonce aux urgences. Et là, on nous dit clairement que les 2 mm clignotent toujours. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais qu'il y a un décollement. Donc là, c'est à ce stade-là de la grossesse, c'est du 50-50. Ouf.
Donc on nous dit pas grand chose, on nous dit du repos, donc je décide toute seule de m'auto-aliter, mais totalement. Donc c'est-à-dire les repas au lit, je bouge du lit que pour aller aux toilettes. Et encore aux toilettes, je ne force jamais. Je ne sollicite jamais les muscles. Les douches, c'est pas tous les jours, on l'assume. Mais clairement. Un alitement strict, c'est comme ça. On en fait vraiment le moins possible et Sarah me faisait mes repas et en plus les nausées étaient déjà là, donc c'était très compliqué au niveau des repas aussi. Oh, tu m'étonnes. Donc t'es dans ton lit toute seule et puis à essayer de pas cogiter au pire, mais des fois c'est compliqué. Ouais. Et c'est clair que la difficulté elle est là, c'est moral aussi. C'est ça. Puis du coup, tu te retrouves à plus t'occuper de tes enfants du jour au lendemain. Bah oui, il y a ça aussi. Sarah a pris le... Elle s'est occupée de tout, de la maison, des enfants. Elle me faisait mes repas en fonction de mes envies aussi, parce que c'était compliqué aussi de ce côté-là. C'est au lit pendant 5 semaines. Ouais, c'est ça, 5 semaines. Et j'ai commencé à rebouger et à 10 semaines, rebelote, resaignement. Le 31 décembre. Catastrophe. Ouais. Oh là là. Donc, on retourne aux urgences. Donc, il y a de nouveau un décollement. Bébé va très bien. Mais là, elle me dit, le sang me paraît dilué. Et j'ai dit, bon. Donc, ça veut dire quoi, ça ? On fait un test... le sang était très clair et comme s'il était coupé avec de l'eau. Ouais. Donc, c'est pour ça, elle me fait le test du liquide amniotique qui ressort bien positif, en fait. C'est comme un test de grossesse qu'elle a trempé dans un petit peu de liquide. Ouais. Donc, là, le test du liquide amniotique positif. Et en plus, c'est aux urgences. Donc, Sarah n'a pas pu être là avec moi. Donc, c'était la première fois où j'étais sans elle et on est tombé sur une gynéco pas très empathique, on va dire. Donc, elle m'a dit, en gros, vous allez le perdre. Mais j'ai dit, mais quand ? Enfin, je sais pas, dites-moi quelque chose. Enfin, on voit bien à l'écho, il y a assez de liquide amniotique à l'écho, il y a aucun problème à l'écho. J'ai besoin de réponse. Elle me dit, je sais pas, ça peut arriver demain, dans un mois, je sais pas. Je dis bon, d'accord, ok, donc je sais que je vais faire une fausse couche à 10 semaines, d'accord. Et je dis, mais il y a une chance pour que ça se colmate, ou je sais pas, dites-moi quelque chose qui peut me rassurer. Elle me dit, je dois le voir peut-être une fois par an, qu'il y ait une rupture et que ça se colmate, quoi. Je dis, on est le 31 décembre en espérant que ce soit moi pour 2021, quoi, c'est tout. Et je suis sortie, et voilà. Donc elle a rien préconisé du tout, donc je me suis de nouveau alitée. Ouais. Et on a voulu avoir plus d'échographie pour vraiment suivre ce qui se passait, donc on a fait le choix d'être suivie dans un autre hôpital en parallèle, un hôpital de niveau supérieur, et du coup on a jonglé entre deux hôpitaux jusqu'à mi-février, je crois, oui c'est ça. Jusqu'à ce que, et à chaque rendez-vous, je leur disais, mais refaites-moi un test du liquide amniotique, parce que, entre-temps, moi, j'ai défoncé Google, je crois, avec mes recherches, et j'ai lu pas mal de cours d'obstétrique, etc., qui expliquaient que, les tests du liquide amniotique pouvaient donner de faux positifs pendant le premier trimestre. Et d'accord. Plus si il y avait un mélange de sang. Donc, je me raccrochais à cette idée-là. Je me disais, c'est pas possible, quoi. On peut pas me redonner pour me reprendre encore. Ouais. À chaque fois qu'on allait chez le gynéco, je leur disais, refaites-moi le test. J'ai besoin de voir ce négatif et de penser à autre chose, quoi. Parce que on pense au pire, on pense aux IMG, on pense forcément au pire qui puisse nous arriver, quoi. Et c'est seulement à mi-février, donc un mois et demi après, qu'on m'a refait le test et qui est ressorti négatif. Donc c'est vraiment à ce moment-là où tout va bien, en fait. Un bébé qui va bien, plus de décollement,
pas ou plus de fissures de la poche des os. Et tout Ouais. va bien. Donc, du jour au lendemain, on te dit de vivre ta grossesse pleinement C'est ça. parce que tout va absolument bien, quoi. Donc, ça a été compliqué. Ça a Ouais, été tu très m'étonnes. compliqué de se projeter après tout ce désarroi et ce désert d'informations médicales. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la chambre. Oui, pour se projeter. Ouais, je pense qu'autant Sarah que moi, on en a eu. Et la découverte du sexe aussi. Oui, pareil, Comme moi. on voulait garder la surprise sur le sexe. Pas possible. Impossible. J'assume, hein, j'ai foutu en l'air tous nos plans. Tout ce qu'on avait préparé, voilà, on voulait faire une fête pour révéler le sexe et tout ça. Bon, après, j'y peux rien, hein, c'est à Non, l'échographie, mais tant que je tu l'ai sens vu. bien, ça Voilà. t'a Oui, rassuré. Voilà, d'accord. l'échographie, je l'ai vue et voilà quoi. J'en avais. C'était. Ouais, j'en avais besoin, mais comme Ouais, jamais. je peux comprendre. pour se projeter, c'est important. Dans des grossesses un peu comme ça compliquées, C'est ça. il y a un moment, ouais, J'avais besoin complètement. d'entendre son cœur aussi. On a un Doppler fœtal et le besoin de l'écouter allait tous les 2 jours. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est vraiment ça qui me raccrochait à des pensées positives en me disant tout va bien en fait. Maintenant, tout va bien, quoi. J'avais du mal à réaliser que maintenant, tout allait bien en fait. Ouais, je comprends. Maintenant, ça va. Et les enfants dans tout ça, vous les avez impliqués dans le dès le début dans la phase de conception ou vous leur en avez parlé qu'une fois que bébé était bien installé? Alors bon, pour le coup, en plus avec les complications que vous avez eues, ça devait être compliqué. Ben, en fait, quand on faisait tous nos examens, alors on leur parlait du désir d'enfant, hein, parce que pour nous, pour toutes les deux, c'était important qu'ils soient en accord avec ce désir d'agrandir la famille, quand Oui, même, bien hein, sûr. donc ils savaient qu'on avait ce projet-là, mais oui, quand on allait à l'hôpital, on leur disait, oui, on va faire des examens pour le dossier, pour le bébé. Voilà, ils savaient ça. Après, dans les détails, non. Quand il y a eu malheureusement le premier transfert, on leur a dit que Ouais. c'était positif, donc ils ont vécu cette fausse couche-là avec nous aussi. Ils ont été au top du top. Non, franchement, ils ont été. Ils ont eu les bonnes réactions. Ils nous faisaient plein de câlins. Voilà. Et du coup, comme. Je regrette un peu aussi quand même de leur avoir dit tôt parce que moi j'avais moi-même en tête que ça pouvait pas voilà, on avait un positif, il pouvait pas se transformer en négatif. Donc pour ce deuxième transfert, on les a fait garder par la maman de Sarah. On leur a dit on a besoin de souffler un petit peu toutes les deux, on va à l'hôtel pendant 2 jours. Et du coup voilà. On s'était dit, on leur dit rien tant qu'on n'a pas un vrai, vrai, vrai positif. Et Ouais, non, c'est ce qu'on a c'est fait, on compréhensible. leur a rien dit. Et puis, on a attendu, je crois même plusieurs prises de sang, ou même la première écho, je sais plus. Mais en tout cas, on leur a dit, quand c'était sûr. Et alors, ils ont réagi comment? Ben, ils étaient super contents. Alors, ils ne voyaient pas, de ventre et tout ça. Donc j'ai l'impression que au plus la grossesse avance, au plus ils sont en extase. En fait, c'est vraiment, je sais pas comment dire. À chaque fois que je mets ma main sur mon ventre, il y a Paolo ou Wen qui me dit ah elle bouge et ils viennent de suite naturellement mettre leurs mains sur mon ventre. Oui. Paolo des fois il s'enferme dans la chambre de sa sœur et puis il vérifie les placards si tout est bien. Il regarde tout ce qu'elle a pour être sûr. Voilà, il a vérifié tous les jeux, il a voulu faire tous les petits puzzles pour être sûr qu'il manquait pas de pièces. Ah, c'est Enfin, fou. même on a une application qui montre l'évolution de bébé, tu sais, en photo semaine par semaine. Et les deux, ils réclament souvent à regarder l'application pour voir à quoi peut ressembler leur sœur maintenant. Ah ouais, non, ils sont. J'aurais jamais cru qu'ils soient autant. Impliqués et investis, parce qu'on peut nous les impliquer, mais eux derrière ils peuvent ne pas réagir à cette démarche-là, quoi. Complètement. Mais au final, ils sont à fond. Vraiment, ils sont à fond. Ils sont trop contents que ce soit une fille. C'est top.
Et vous, aujourd'hui, comment vous sentez? Comment vous préparez cette arrivée de bébé? Là, on est en plein dans les machines. Ça, pareil, je le fais un peu tôt par rapport à mes deux autres grossesses, mais ouais, j'ai hâte qu'elle soit là. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que quand on est la maman porteuse, on se sent mais vraiment dotée d'une espèce de responsabilité qui est très lourde en fait, parce que finalement, c'est toi qui, pour le moment en tout cas, engage la vie de ton enfant. C'est ça. Après, c'est pas facile. Enfin, moi, je trouve que ça m'a pas mal pesé. Malgré que gynécologiquement et tout ça, tout aille bien. Aujourd'hui, voilà, elle va parfaitement bien, etc. Oui. Je garde des séquelles de ce début de grossesse, en fait. Et je sais que je serai pleinement épanouie quand elle sera là. Ça reste... voilà. J'ai toujours une petite voix, là, au fond, derrière, qui me dit... attention, sois pas trop contente, on sait jamais, en fait. Ouais, bien sûr. Donc oui, puis en plus là on vient de me diagnostiquer un diabète gestationnel, alors les nausées sont parties à 25 SA. Ouais, je vois bien. Mmh. Mais on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel à 26, donc je pars en régime alimentaire au moment où je pourrais me faire plaisir à manger, donc non, punaise. Je le vis, ouais, avec beaucoup de frustration. Tu m'étonnes. Mais non, je me dis, c'est une grossesse qui est comme ça, je l'accepte telle qu'elle est. Et le plus important, c'est que petit bébé aille bien. Et puis, de toute façon, elle est dans sa courbe, elle va... Niveau de la grossesse, tout va bien, mais c'est plus psychologiquement parlant que ça reste compliqué. Donc, je prépare son arrivée, en fait. Je m'occupe du moment où elle sera là. Ouais, petite prolette. Voilà. Elle est prévue pour quand, là? Elle est prévue pour juillet. Mmh. Alors, normalement, bon, le terme de la grossesse est fin juillet, mais étant donné que j'ai accouché beaucoup plus tôt pour Owen et Paolo, on a la date à partir du 26 juin. Elle peut arriver quand elle veut. C'est plutôt... Dans mon cas, c'est un peu plus comme ça qu'on compte. D'accord. Ça va concrétiser un peu, ça va concrétiser votre, enfin, ça va, je sais même pas, parce que votre famille est hyper soudée, donc ça va, je pense, un peu plus se concrétiser tout ça. C'est ça. Puis on ne parle que d'elle, on ne vit que pour elle, mais les enfants aussi, hein, c'est ça le truc. Ouais, ouais. Même les enfants, à chaque fois que je repasse un vêtement, ils sont derrière moi à me surveiller, à regarder ce que je repasse. C'est vraiment le cocon qu'on n'a jamais connu, en fait. Enfin, que moi, je n'ai jamais connu avant, quoi. Et du coup, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, mais parce qu'on a parlé de votre mariage, mais en fait, on l'a abordé très vite fait. Ouais. Comment ça s'est passé, en fait, le mariage en lui-même? Vous avez prévenu les enfants comment et comment ils ont réagi? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour les enfants, on leur a expliqué on voulait se marier toutes les deux. Déjà parce qu'on en avait envie et qu'on s'aimait très, très fort. Et aussi que comme on a tous les quatre ce désir d'agrandir la famille, nous dans notre cas on est obligé de se marier aussi, mais que dans tous les cas on l'aurait fait quand même parce que c'est un pas que ni moi ni Sarah avons fait avant. C'était même quelque chose auquel je ne pensais pas du tout personnellement. D'accord. Et là ça s'est présenté à nous comme ça. On s'était dit, je sais plus comment ça s'est fait. On s'était dit, l'été c'est bien parce qu'il fait beau. Puis, en soi, on voulait pas louer de salle ou faire des choses. On voulait que l'argent qu'on avait et la participation de nos familles servent à notre projet, parce que tout le monde a de suite été au courant de notre projet de bébé. Et voilà, donc on a réussi quand même à avoir un beau mariage qui nous ressemble et on a utilisé, voilà, on habite dans une belle région, donc on a été dans trois lieux différents pour avoir vraiment le seul truc qu'on s'est payé finalement, c'était un photographe vidéaste, parce qu'on voulait garder un souvenir. Moi j'ai par exemple mon père qui était pas là, elle aussi son papa n'était pas là, et on voulait pouvoir faire partager aux gens qui pouvaient pas venir ce jour-là. Donc la seule chose qu'on s'est payé, c'était un vidéaste.
Et encore un vidéaste amateur qu'on a déniché, qui nous a fait un boulot de dingue pour un prix des chiens toute concurrence. Et d'ailleurs, oui, on a partagé beaucoup son profil et maintenant il est passé en professionnel et il marche super bien. Voilà, on a fait ça en extérieur, dans notre village, on a fini au bord de la mer avec une guitare et non, c'était franchement au top. À refaire, on referait pareil. Ah bah impeccable. Bah écoute, je crois qu'on arrive en fin d'épisode. Je vous remercie beaucoup Morgane et Sarah. Vraiment, votre histoire est hyper touchante. Je suis très touchée par les émotions globalement de Sarah et par tout ce que tu as raconté Morgane. Vous êtes une belle famille, on peut vous suivre sur les réseaux et clairement, votre famille, elle contribue aujourd'hui, enfin en tout cas vos réseaux contribuent à visibiliser nos familles. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et une arrivée de cette petite fille vraiment tant attendue et en qui presque personne ne croyait au moment où. Je vous souhaite vraiment de pouvoir l'accueillir et d'en profiter au maximum. Merci, super gentil, merci. Ouais. Je vous en prie. À très bientôt les filles. Merci. À bientôt. Je vous reprends pour conclure. Il existe de nombreuses possibilités pour accompagner son corps et son esprit, et chacun, chacune, peut piocher dedans, celles qui lui parlent et lui conviennent le mieux. Yoga, sophrologie, naturopathie, phytothérapie, reiki, shiatsu, micronutrition, relaxation, méditation, lithothérapie, aromathérapie, acupuncture, rituel de préconception, et j'en oublie sûrement. L'essentiel est de pratiquer ce qui nous ressemble. Et si vous n'adhérez pas à ces pratiques, que vous ne vous y retrouvez pas, c'est ok aussi. Chaque parcours ressemble aux humains qui le composent. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour commencer ou prolonger la discussion autour de vos petits tips à vous, ceux qui vous ont ancré dans vos parcours et ceux qui finalement n'étaient pas utiles. Je crois que bien des futurs parents seront intéressés. Comme à chaque épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, le voir se développer, surtout le partager, vous pouvez évidemment partager pour le coup cet épisode ou tous les épisodes du podcast auprès de vos proches ou de vos moins proches ou même de personnes inconnues si vous pensez que cela peut servir, si vous pensez que vous pouvez gagner, que nous pouvons gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Je ne sais pas si vous le savez, mais les plateformes d'écoute fonctionnent comme Instagram. Et plus il y a d'interactions sur un podcast, et plus il est proposé à l'écoute. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces petites attentions qui me touchent au quotidien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. Jesus Christ, please tear my heart out.